Sont convenus sur des signes qui pourraient représenter tel ou tel phénomène, matière, être naturel. Les idéogrammes sont donc des signes représentatifs de la réalité concrète, des faits et éléments de la nature. Ruissellement d'eau, passage d'un grand vent, d'un éclair. Les idéogrammes pouvaient même transcender le réel pour atteindre le surnaturel. Produit pur de l'imagination, ils pouvaient représenter alors les bons et mauvais esprits. Transmission, de différenciation, de protection et de bénédiction dans nos sociétés. À l'aide de ces signes, les initiés communiquaient entre eux. Les idéogrammes avaient un rôle mythique. On les peignait sous les habits des nouveaux initiés, sous les maisons sacrées, pour les protéger contre de mauvais esprits. On les gravait sous les masques lors des cérémonies rituelles, et ils transmettaient alors aux hommes l'image qui se faisait d'eux-mêmes. De nos jours, les idéogrammes subissent une modernisation artistique. Ces signes sont actuellement utilisés dans les œuvres d'art plastique et jouent alors un rôle décoratif, bijouterie, tapisserie. Ils subissent des déformations en les stylisant, en les superposant, pour donner, après l'éclatement de leur forme initiale, des significations esthétiques nouvelles.
Les œuvres d'art perdent de plus en plus de leur identité. On assiste à un flot d'influences qui n'est pas forcément bénéfique à l'art africain. Pour moi, l'art africain reste généralement symbolique et graphique, mais pas réaliste ni figuratif. On peut néanmoins se poser des questions sur l'évolution que l'art africain subit de nos jours par rapport au grand courant artistique. L'artiste africain présente généralement une conscience collective par rapport aux autres qui affichent surtout leur réalité subjective. L'artiste représente ce qui lui a été enseigné, ce qu'il a en lui et cela avec une grande liberté dans l'expression des formes. Il est libéré des critères de composition, de perspective et de géométrie. J'approuve, car dans ses productions, l'Africain accorde de l'importance au point qui lui semble essentiel. Si, par exemple, dans une œuvre, il choisit délibérément de grossir la tête, c'est qu'elle représente le chef du corps. Pour lui, c'est elle qui voit, entend et respire. Ainsi, dans la cérémonie rituelle, c'est l'ancêtre qui dirige. Il reproduit les gestes, les signes et les paroles sacrées. Les rites sont l'expression et l'âme vivante de l'art en Afrique. Nous souhaitons que les artistes africains prennent conscience de la richesse de leurs sources et contribuent à la revalorisation du patrimoine culturel africain.